Eh bien, on est lundi, on attaque un nouveau vlog. Il est 10h05, j'ai pas mal de choses à faire pour la société ce matin et également des préparations de colis pour Vinted. Écoutez, j'espère que le week-end s'est bien passé pour vous, que tout s'est bien passé, que le début de semaine s'est bien passé aussi, puisque comme vous savez, le vlog c'est mercredi. Nous ça va, ouais, tranquille, un petit week-end tranquille, ça fait beaucoup de bien. Et puis j'espère que vous avez été gâtés pour la Saint-Valentin, que vous avez pu fêter un petit peu. Nous on a fait des petits trucs à la maison, c'était sympathique. Voilà, bon, sinon, petite tenue du jour aujourd'hui, parce que ouais, j'aime bien. Donc alors, je vous montre. Voilà la tenue du jour. Donc c'est un jean de chez Only que j'ai eu dans une box. Je crois que c'était une Click and Fit ou une Lookero, je ne sais plus bien. Je l'adore ce jean, il est vraiment bien. À chaque fois vous me demandez d'où il vient, donc c'est Only. N'hésitez pas à aller voir sur le site Only, ils ont des jeans qui sont vraiment top. Le top, ça vient de des lives de Courbe en Valeur. J'adore ce top, il est vraiment beau. C'est un top satiné avec de la dentelle. Hop, voilà. Vous voyez, toute la dentelle comme ça, c'est vraiment très joli. Le gilet, c'est un long gilet avec des poches que j'ai depuis très longtemps, que j'avais vu chez Primark la seule fois où j'y suis allée de ma vie. Voilà. Et les petites chaussures, c'est des chaussures qui viennent de ces chaussures avec le petit rappel de verre à l'arrière comme le top et le pied de poule et le doré. Voilà un peu pour ma tenue. Voilà, tenue confortable pour la maison, mais un petit peu chic avec le petit top. Un petit peu chic avec le petit top satiné. Je trouve que c'est assez joli. Voilà un petit peu. Et sinon au niveau des bijoux, j'ai des grosses créoles comme ça qui viennent de chez Shein, je crois. Le collier, c'est un collier qui vient de chez Emma et Chloé. Bag Wuyar ici là et bracelet. Alors celui avec les étoiles, c'est un bracelet qui vient de chez Opal Bijoux que j'adore. Et l'autre, c'est un bracelet que mon mari m'avait offert. Il y a des années. Et de l'autre côté, c'est une bague que j'avais eue sur beauté privée. Non, showroom privé, je crois. Voilà un petit peu pour tout ça. Bon, ce matin au programme, comme je vous le disais, j'ai monté dans le bureau, j'ai des devis à envoyer, j'ai quelques petits relances à faire aussi et des colis Vinted à préparer. Je vous ai mis des lots de colliers hier et ça vous a bien plu. Vous avez des beaucoup à me demander, mais t'as mis des lots de colliers, pourquoi tu les as enlevés? Non, non, j'ai rien enlevé, c'est que ça c'est parti à une vitesse folle. Vous êtes juste des dingues, voilà. D'ailleurs, je vous prévois très prochainement une vidéo sur Courbe en Valeur. Alors, soit vous l'avez vu, alors vous verrez ce vlog, ce qui est fort probable, soit vous le verrez très prochainement. J'ai fait un maquillage ce matin avec la palette que j'ai eue chez Eva Beauty Access. Vous savez, les palettes de maquillage qui sont complètement modulables et qu'on peut choisir les fards et tout et tout. Donc, j'ai mis... Attendez, je vais essayer de me mettre à la lumière. J'ai mis... du noir et du vert et je trouve ça très joli. Voilà, c'est pas des couleurs que j'utilise habituellement beaucoup, le vert et tout ça. J'utilise beaucoup de neutre, mais là ce matin j'avais envie d'un petit peu de couleur. Donc voilà, et il y a ma birdie qui chouine. Pourquoi tu chouines, doudou? Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Non, elle est pas content. Non, elle est pas content. Pourquoi elle est pas content? Faut aller faire dodo. Maman va aller travailler. Oui. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis on se retrouvera tout à l'heure. En plus, là en début d'après-midi, il faut que je monte la vidéo pour aujourd'hui. Donc ça va être... Allez, on y va, on y croit. C'est parti. Bon voilà, midi et demi, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Quelle idée de vendre des colliers sur Vinted. Vous savez, emballer les colliers, c'est... Voilà, donc j'ai trouvé une solution en fait. J'ai pris des feuilles de scrap. Vous savez, les cartons, enfin les feuillets, enfin les... Comment on appelle ça? Les carnets de feuilles de scrap qu'on trouve chez Action. Et donc j'ai fait des supports pour les colliers parce que sinon j'ai peur que quand vous les receviez ce soit tout emmêlé. Donc je me suis amusée à faire ça ce matin. Ça prend un temps fou mais c'est pas grave. Là ce que je vais faire, c'est que je vais me faire à manger parce que j'ai une cliente qui va chercher des trucs Vinted, qui est de mon village, qui vient les chercher. Enfin, c'est une abonnée en fait. Elle vient les chercher à 13h30, donc il est 12h33 très exactement. Donc je vais manger et puis voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire ce soir n'importe quoi. Ce midi à manger, je sais pas encore. Je vais regarder ça et puis voilà. Puis je vous retrouve après. Coucou, comment allez-vous en ce mardi matin 10h05? Écoutez, moi ça va. Enfin, j'attends mes règles, donc j'espère qu'elles vont arriver vite parce que là ça commence à me gonfler. Je suis gonflée comme je sais pas quoi et bref, comme toute période de règles. Ce matin au programme, je dois monter deux vidéos dont le vlog, non c'est tout, c'est déjà pas mal. Envoyer une facture pro et cet après-midi au programme, c'est je vais chez Betty Mode pour faire les photos des nouveautés.
Donc voilà, et sinon cet après-midi aussi il faut que je passe au point relais déposer des colis, en récupérer. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à faire, je l'avais dit tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est tout. Bon bah écoutez, il y a grand soleil ce matin, ça fait beaucoup de bien, mais il prévoit de la pluie pour cet après-midi, donc voilà. J'ai mon corps qui est en train de se... je suis toute sèche, sèche. À tel point que ce matin j'ai mis du sérum sur mon corps. Pour faut que je passe à la pharmacie cet après-midi, ça que je voulais faire. Passe à la pharmacie chercher une bonne crème hydratante qui hydrate vraiment bien, et puis un gel douche pareil qui hydrate le corps, parce que là c'est plus possible. Bon allez, je vais faire tout ce que j'ai à faire ce matin. Je vais déjà commencer par aller envoyer ma facture, et puis on se retrouve dans la journée. J'ai changé mon vernis le temps que ma vidéo vlog charge, mais je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas, ça, mes movie maker ne répond pas, j'aime pas ça. Bref, j'ai mis un vernis de chez Dior, il me reste le top coat à mettre, et c'est celui-ci, le Candy Cane 984, et il est d'une beauté. C'est un espèce de rouge marronné hyper profond, il est sublime. Je saurais même pas vous décrire la couleur, mais il est vraiment vraiment très 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 joli. Ouais, et avant j'ai remis ça. Alors vous m'avez demandé de vous faire un petit retour. Je pense que je vous ferai un petit retour très prochainement dans une vidéo avec plein de retours produits. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, le Candy Cane là, il est divin. Alors il paraît qu'il sent le bonbon, parce que c'est marqué vernis parfumé. Mais, ah j'en mets sur mon nez. Ouais, pas plus que ça en fait. Mais franchement la couleur elle est divine. Divine, divine, voilà. Bon, allez, je vais mettre mon top coat. Ça m'embête vraiment que... Oh, je ne vais pas arriver à l'ouvrir. Si, ça y est. Et là, le top coat aujourd'hui, c'est le top coat de chez OPI. Et il faudrait que j'en rachète un, parce que mes top coats, ils sont dans un état, mais... Soit ils sont finis, soit ils sont plus très agréables, quoi. Que ça écrive ne répond pas, ça m'agace. Je sens que ça va bugger. Et si ça bug, ben je vais devoir tout recommencer. Vous voyez, en fait, le souci, c'est ça dans les top coats. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est que quand on arrive à un certain stade, le truc, il ne va plus au fond. Donc, tu es obligé de secouer le machin à fond pour avoir de la matière. C'est chiant. Ils ne peuvent pas faire des pinceaux qui vont au fond. Non mais sincèrement. En plus le OPI, je trouve que c'est pas le meilleur top coat du monde. Hein. D'ailleurs, si vous avez un super bon top coat à me conseiller, n'hésitez pas, parce que je voudrais m'en racheter un. Alors peut-être que je l'aurai fait d'ici que vous voyez cette vidéo, mais top coat, de toute façon, ça sert tout le temps. Donc si vous en avez un... Aïe, 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 aïe. Il y a une page blanche qui vient de s'afficher, j'ai peur. Non, c'est Firefox qui se relance. Brrr. Oui, donc je vous disais, donc si vous en avez un super top que vous connaissez, que vous utilisez, à me conseiller, n'hésitez pas, parce que je voudrais, même si j'en ai racheté un d'ici ce temps là j'en voudrais un bon qui tienne bien, qui fasse bien l'effet et qui soit top. Voilà, pour un top cut. Oh, jeu de mots, le jeu de mots, Hélène, c'est pas possible. Bref, voilà, top coat posé. Oh, ça m'agace quand ça coince comme ça. Walou, fini, maintenant, faut que ça sèche. Donc, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Fermez Firefox, voilà. Bon, c'est bon. Oh, putain. Non, ça va aller. Ça va aller, bon allez, coucou, je vous laisse. J'espère que vous allez bien, on est mercredi, je reviens de chez ma maman. Je vais me faire un petit café, il fait soleil, il est 1h35.
Ma maman a fait des cailles ce midi, bah, c'était très bon, ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de cailles. Donc petit café et j'étais en train de vous préparer une vidéo à vous tourner sur un magasin qui fait des lives sur Facebook et que j'aime beaucoup. Donc je vais vous tourner ça, c'est Courbe en Valeur. Alors je pense que vous aurez vu la vidéo avant de voir ce vlog. Si la vidéo est déjà en ligne, je vous la remets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Si elle n'est pas en ligne, ben elle va arriver récemment sous peu, mais normalement elle sera en ligne. Je pense que normalement elle sera en ligne. Bah écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il fait beau donc c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce matin je suis passée prendre du pain pour ma maman et du coup j'ai pris un petit brownie. J'ai pris du pain pour nous et j'ai pris un petit brownie pour mon chéri ce soir. Voilà. Une copine de ma maman m'a donné du vinaigre de cidre qu'elle fait elle-même. Donc voilà. Et puis bah écoutez, je me suis installée pour tourner. J'ai déjà préparé les fringues. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, il y a des petites pépites pour des prix pas chers du tout. Donc ça c'est cool, il y a la bouteille de Birdie là. Donc je vais vous tourner ça. Il y a quelques accessoires, il y a des fringues, il y a même un sac. Pas mal de petites choses très sympas. Donc je vais vous montrer ça. Et puis je vous retrouve après avoir fait tout ça. Ah, je vous ai pas montré la tenue du jour, je vais vous montrer quand même parce que je l'aime bien cette tenue. Et pour celles qui auront vu les vidéos, les photos Instagram sur Betty Mode, eh ben, c'est un pull qui vient de la page. Alors voilà la tenue du jour, donc c'est un pull qui vient de chez Betty Mode qui est trop beau, c'est marqué Mademoiselle en basket. Petit pull assez sympa, col V comme il faut, c'est de la grosse maille, j'aime beaucoup. Il a les manches 3/4, il y en a plein de couleurs. Et le jean, je crois que c'est, il me semble que c'est Shein celui-ci. Et les baskets, c'est des Vanessa Wu. Voilà, tout ce qui est de plus simple, mais j'aime bien cette tenue. Voilà, vous voyez, hyper simple, mais j'aime bien cette tenue. Bon, je me cale, je prends mon trépied, je me mets en place pour filmer. Et puis, je vous retrouverai après. A tout à l'heure. Bon, je vous retrouve parce que j'ai reçu la semaine dernière la My Little Box. Je ne l'ai pas ouverte du tout, donc on va regarder ça ensemble. J'ai ouvert ma fenêtre parce que la semaine dernière, on était en hiver avec des températures hyper froides. Et là, il y avait 21 dans la maison, donc j'ai dû encore baisser les chauffages. Je ne sais pas combien il y a, il y a 12 je crois dehors. Il y a 13,5 dehors. La semaine dernière, on avait moins 2. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'ai reçu la My Little Box Nouvelle Lune. La boîte est très jolie, j'aime beaucoup. Et il y avait également ceci dans la boîte qui est un pochon Dior. C'est marqué My Little Box les extras. Ah oui, je me suis abonnée aux extras de My Little Box. Il y a un petit encart extra. Donc là dans les extras, j'ai reçu des petits produits de la marque Dior. C'est de la gamme Capture Total. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Dans votre berlingot extra du mois, on a préparé les trois essentiels de cette routine signée Dior. Le super potent sérum qui régénère l'épiderme, la crème riche qui prépare et renforce la barrière cutanée et la crème Derm Skin, Dream Skin qui redessine une peau parfaite. Donc on a trois petits échantillons comme ça. Donc vous avez, ouais c'est des 3 ml en fait, c'est des échantillons que vous pouvez retrouver en pharmacie. Donc ça c'est le super potent sérum. On a ici le Dream Skin, donc pareil c'est un 3 ml, donc c'est un tout petit pot comme ça. Et on a donc tout le monde ne reçoit pas ça, faut s'inscrire pour recevoir les extras. Et on a la petite crème crème riche fermeté et correction rides. Il est trop mignon le petit pot, regardez. Il est trop chou le petit pot. Et ça, ça fait combien de millilitres? 5 millilitres. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. Bon, c'est operculé, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais c'est vraiment tout petit. On ne peut pas tester grand chose avec ça. Hein. Mais bon, c'est sympa. C'est sympa. Ensuite, dans la My Little Box qui se présente comme ça. Elle est jolie la boîte. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve mignonne. On ouvre, il y a une carte. C'est marqué quoi? Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and right. King Harvest. Voilà, et à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc est-ce que j'ai un petit explicatif ou quoi que ce soit? J'ai pas l'impression. Alors, dans le petit pochon qui se présente là, j'ai un petit papier comme ça qui nous parle du Glorious Day. C'est un highlighter en stick qu'on a imaginé pour vous, pour l'utiliser au max de ses capacités. Ok, bon bah écoutez, il doit y avoir un highlighter en stick là-dedans. Donc oui, c'est ça. Alors moi c'est pas du tout mon truc les highlighters en stick.
Est-ce qu'il y a une teinte? Non, stick enlumineur, visage, machin. Je vais juste regarder comme ça, je vais pas le swatcher parce que je vous le mettrai, voilà. C'est un stick enlumineur qui est un petit peu rosé. Ça, c'est pas mon trip, donc je vais pas l'utiliser. Je vais le mettre de côté pour vous comme d'habitude. Et dans le petit pochon, il y a également de la marque By Terry. Ah, c'est la nouveauté chez By Terry. C'est le Mini To Go, c'est la poudre de... poudre soin de finition en 2,5 grammes, ça se présente comme ça. La poudre By Terry en général, elle est vraiment bien, la poudre libre de chez By Terry. Et donc là, c'est une miniature de la dernière nouveauté, donc en pressé en fait. Hop. Donc voilà, voilà. Bon écoutez, oh, y a une petite toupette et tout, non? Oui, il y a une petite toupette. Toute petite toupette et un petit miroir. Bah écoutez, moi je l'aime bien en pressé. À voir un petit peu si elle est aussi bien en... Je l'aime bien en libre. À voir si elle est aussi bien en pressé. Mais c'est un bon produit ça. J'aime bien. Donc ça, je garde. Ensuite, nous avons de la marque Velleda, une édition limitée. Le gel douche gingembre pétillant, fraîcheur et éveil des sens. Donc c'est bio et organique. Il y a un 200 ml. Qu'est-ce qu'ils mettent? Un parfum estival qui éveille les sens. Note de gingembre et de citronnelle qui procure une véritable sensation de fraîcheur et de bien-être. La base lavante végétale de la crème de douche nettoie en douceur et sa formule enrichie en huile de sésame bio préserve l'hydratation naturelle de la peau. Donc c'est comme ça. Voyez pourquoi je mets de travers? Pour vous montrer de plus près. Parce que si je monte comme ça, vous voyez moins. Si je monte comme ça, ben, vous êtes obligé de baisser votre tête, mais on voit mieux. Voilà. Ouais, ça je pense que je vais l'utiliser, donc je vais l'ouvrir et je vais sentir. Ah, j'adore cette odeur. C'est une odeur vraiment de citronnelle. Et ça, à utiliser l'été. Ouais, citronnelle. Utiliser l'été avec les moustiques, ça doit être top. Donc, à voir, à voir. Ensuite, je retire, qu'est-ce que c'est que ça? Céleste, le tarot au tirage miracle. Bataille, belote, président, lâchez votre poker face avec ses 22 cartes divinatoires. Vous n'en aurez nul besoin, initiez-vous au tarot de Marseille, mais rassurez-vous, pas besoin d'être Madame Irma pour tirer les cartes. Ouais, ça je suis pas fan. Ça franchement je suis pas fan, je pense que je vais même pas ouvrir parce que ça m'intéresse pas. Ensuite, nous avons une petite pyramide comme ça, marquée la pierre philosophale. Alors, j'ouvre. Qu'est-ce que c'est noté? Il n'y a que de l'allemand là-dedans. Non, il y a du français par ici. Laissez votre destin entre les mains de ce médaillon orné d'une pierre au pouvoir ésotérique. Sa vertu, le marbre bleu, une pierre d'initiative, est très indiquée pour vous accompagner dans le changement de saison et vos prises de décision. C'est bien fait. Merci le tracteur. Force et sérénité, une fois ce collier porté autour du cou, vous serez fin prête pour le prochain sabbat. Sabbat, oui, shabbat, sabbat, je ne sais pas bien. Bref. Bah écoutez, c'est très mignon ça. Ah ouais, j'aime beaucoup. Gris-gris pour style magique. C'est mignon, c'est un petit collier comme ça. Oh, ils disent que c'est du marbre bleu. J'aime beaucoup la petite chaîne. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi le porter parce que vous avez une petite lune, je crois, un petit soleil. Voilà, il y a un petit soleil de l'autre côté. Mais sinon, le petit marbre bleu est très mignon. Alors, est-ce que c'est un grand collier ou est-ce que c'est un petit collier? C'est toujours le problème. Non, je pense que c'est un grand collier quand même. Ouais, je pense que ça ira bien au cou. Donc ça, c'est très mignon. Ça, je dis oui. Ensuite, il reste encore des petites choses. J'ai une petite carte, un indice sur la prochaine box. En mars, nos racines ont des ailes. On s'est greffé à la marque de beauté issue de la vigne, Caudalie, qui sélectionne pour vous le meilleur des vignobles bordelais. De ce croisement a bourgeonné une box qui vous fera fleurir de joie. On attend que vous pour récolter ce que l'on sème. Let's grow. My Little Box et Caudalie. Bah écoutez, c'est très bien parce que Caudalie, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et pour finir, on a Tombé du Ciel, coupelles surnaturelles qui sont dans une petite boîte comme ça. Pour passer le pas de la porte sous de bons augures, rien de tel que deux coupelles prêtes à recueillir toutes vos offrandes, clés, bijoux, cailloux, hibou. Délestez-vous de vos trésors de poche superflus et laissez-vous envelopper par la simplicité d'être enfin chez vous. Alors, c'est comme ça à l'intérieur. Et nous avons deux petites coupelles qui sont très mignonnes. C'est très tendance ce motif comme ça. Donc en fait, vous voyez, vous pouvez les associer ou les séparer un petit peu. Vous savez, c'est le motif lune du début à la fin. Là, c'est mignon. C'est mignon et vous avez une petite lune.
Bon écoutez, c'est pas non plus spectaculaire, mais c'est mignon. C'est pas quelque chose qui me le rose comme ça, ouais, c'est pas quelque chose qui me transcende plus que ça, mais ouais, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Je sais pas si je vais garder pour moi ou si je laisserai pour vous, mais ouais. C'est pas moche hein, ce qu'il y a dans cette box, mais c'est pas la box qui me transcende le plus par rapport à ce que j'ai reçu des fois d'avant ou des choses comme ça. C'est pas la box qui me transcende le plus, on va dire. Mais il y avait des petites choses sympas. Hop, on va mettre ça ici. Touc, on referme le tout. Voilà, voilou pour ce qu'il y avait dans cette box. Bon, bah sinon, moi, je vous ai tourné la vidéo. Je vais y arriver ou pas? Je suis à l'ouest aujourd'hui. Je vous ai tourné la vidéo dont je vous avais parlé tout à l'heure, donc ça c'est fait. Je pense que je vais me coller au montage, je vais me coller aussi à la mise en ligne de la vidéo du jour qui est le vlog. Il faut que je fasse la miniature et que je la programme. Voilà. Et puis après ce sera un petit peu de rangement, des petites choses comme ça par-ci par-là dans la maison. Et puis voilà. Voilà, voilà. Allez. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est 10h moins le quart. J'ai rendez-vous esthéticienne à 10h, donc c'est pour ça que mes sourcils sont pas faits. Comme ça, bah, je les ferai après, tout simplement. Elle va me débroussailler tout ça, débroussailler les jambes et tout, ce sera cool. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai pas pris beaucoup parce qu'en fait, j'ai des choses à gérer au niveau perso et j'ai pas forcément le temps de vous prendre autrement. Et puis voilà, tout simplement, voilà, j'ai pas mal de choses à gérer niveau perso en ce moment, donc je fais ça, et c'est vrai que je pense pas à prendre la caméra. Donc les vlogs jusque fin février vont peut-être être un petit peu plus courts que ce que vous avez l'habitude, mais bon, on fait avec et je vous partage ce que je peux vous partager, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais autre chose à vous dire aujourd'hui, mais je ne sais plus. Je vous avais parlé il y a quelques temps de vidéo lookbook que je voulais vous faire. Je pense que aujourd'hui je vais essayer d'en faire une parce que le temps et le soleil va pas être trop là aujourd'hui, donc normalement ça devrait pouvoir le faire. Et j'ai rassemblé pas mal de petites choses qui pourraient être sympas pour faire ça. Donc je vais m'atteler à ça, je pense, cet après-midi. Faut que je fasse des courses aussi aujourd'hui et puis voilà. Normalement c'est bon. Bon, il y a toujours des petites choses qui viennent se greffer au milieu de journée avec des choses à faire et des trucs comme ça. On verra bien. En attendant, je vais attendre patiemment mon esthéticienne et puis en gérant 2-3 petites choses à la maison là. Et voilà. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve tout à l'heure. Bon, bah, je viens de tourner la vidéo Look Hero, click and fit, parce que la Look Hero c'est déjà fait. Je l'attendais aujourd'hui, donc elle est arrivée, donc j'ai pu la tourner. La Look Hero, je crois que je l'ai tournée vendredi, mais je vous les mettrai en file indienne comme d'habitude dans une seule et même vidéo. Il y a des petites choses sympas, voilà, je garde 2 petites choses dans cette box. De toute façon, je sais pas si vous l'aurez vu ou pas à l'heure où je vous parle... la semaine prochaine, donc je ne sais pas, vous verrez bien. Je vais faire mon check-out sur Click and Fit et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Il est quelle heure là? Il est 12h35. Je vais faire chauffer mon feuilleté épinard chèvre parce que je vais faire ça ce midi. Comme ça, je vais manger pas trop tard et je pourrai aller faire mes courses pas trop tard. On va faire ça comme ça. Allez, je vous laisse et je vais faire tout ce que j'ai à faire. Bon, alors clairement, je vous avais dit que je devais aller faire mes courses. Il pleut comme vache qui pisse. Expression de 1930 qui n'est plus usitée de notre temps, bref, ça me fout les boules, donc je crois que j'irai faire mes courses demain. De toute façon, on a ce qu'il faut pour ce soir et tout, donc il n'y a pas de souci. Il reste de l'eau, c'était juste des appoints pour quelques petites choses, mais c'est pas grave, ça peut attendre demain. Donc j'irai demain, revenant d'Amiens, ce sera plus simple. Par contre là, cet après-midi, je vais m'attaquer à un gros dossier, énorme dossier, le tri des palettes, ouais. Je vous emmène avec moi, on va voir ça. Et je crois même que je vais vous filmer la vidéo. Comme ça, vous verrez avec moi le tri des palettes. Alors, les palettes, ça se résume à quoi ici? Ça se résume à ça. Toutes mes palettes sont là. Voilà, toutes mes palettes sont là. J'en ai quelques-unes aussi sur le plan de travail. Mais sinon, toutes les palettes sont là. Et ben, je vais faire l'intro par ici. Je vais tout emmener par là. Et on va trier ça. Ouais, parce que là c'est plus possible, il y en a plein que j'utilise pas, faut que je vois, parce que j'utilise les... En fait, si vous voulez, je suis quelqu'un qui a tendance à, acheter beaucoup par rapport à tout ce que les gens parlaient et tout, c'est super, c'est top, c'est machin, c'est tout, mais bref.
J'ai eu mon make-up, hein, parce que l'air de rien, la tour là derrière, la tour Alex, elle était quasiment blindée de make-up. Actuellement, la tour Alex, il n'y a plus que deux tiroirs de make-up, il me reste ça. Et c'est le gros dossier que j'ai à retrier, puisque j'ai tout trié il y a 15 jours, je crois, pour tout ce qui est rouge à lèvres et tout ça. Et le gros dossier qui reste, c'est les palettes. Et je vous avouerai que les palettes, c'est le plus compliqué pour moi, parce que même s'il y en a que j'utilise pas forcément, je n'ai pas mis de crayon à sourcils aujourd'hui, j'ai pas eu le courage de refaire après l'esthéticienne, mais ça restera comme ça. Voilà, je sors pas, donc ça restera comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qui est, comment dire, difficile parce qu'il y en a que j'aime beaucoup, même si je les utilise pas. Mais il faut que je me fasse violence parce que j'en ai marre de les voir là, qui sont pas utilisés, et je trouve ça dommage. Dommage parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient les utiliser à ma place. Donc, je vais faire l'intro ici. Et puis, bah, je filme la vidéo de l'autre côté, ce sera plus simple, je pourrai m'asseoir et te poser tranquille, poser la caméra. Souhaitez-moi bonne chance. Allez, puis je vous. Ben, soit vous avez vu la vidéo, soit vous la verrez très bientôt. Bon, ben voilà, je suis fière de moi. Je pensais que ça aurait été plus difficile que ça, mais en fait, j'avais 61 palettes et j'en garde 31. C'est bien, hein? Bon, ben, ça. Attendez, je vais. Hop. Je vais y arriver ou pas? Par ici, je garde. Et par ici, je garde pas. Donc, je m'en vais de ce pas. Attendez, je resserre pour pas que ça se casse la binette. Je m'en vais de ce pas. J'ai des paillettes partout. Je m'en vais de ce pas faire une petite story sur Insta pour montrer ça. Et puis, je pense qu'après, je vais vous prendre des photos des palettes pour les mettre sur Vinted. Allez, au boulot. Comme ça, ce sera fait. Ce sera trié pour la fin de journée et on sera tranquille. Coucou! Vendredi, il est 15 h. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Oui, j'ai remis mon pull vert parce que je l'adore et puis que je l'avais mis qu'une fois, donc voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je reviens d'Amiens. Moi, je suis allée ce matin chercher ce gros rouleau de papier bulle parce qu'il m'en fallait. Et puis, j'ai repris du scotch parce qu'il m'en fallait aussi. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé ça pour chérie, pour dans sa voiture. Je vais vous montrer rapidement. Hop! Une boîte à masque qui est bien grande parce que celle que j'ai que j'avais eue sur Chine, il me dit que c'est trop petit, que c'est chiant, qu'il n'arrive pas à les avoir. Donc je lui ai pris celle-ci. C'était chez l'Incroyable et c'était 3 euros, je crois. Voilà, voilà. Bah écoutez, il y a Birdinette qui veut rentrer. Moi, je vais me faire un petit café. Je vais monter la vidéo du jour, comme ça ce sera fait. Et après, je file dans le bureau emballer des colis Vinted pour, que je dois déposer demain. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et on se dit à tout à l'heure. Coucou, comment allez-vous en ce samedi? Ici, ça va particulièrement bien. J'ai mes règles qui ont débarqué jeudi. Hier, c'était le branle-bas de combat. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Donc c'est cool. Je vais juste maquiller. J'ai juste mis un coup de mascara tout à l'heure parce qu'on est allé au point relais à la déchetterie avec chérie. Sinon c'est en mode no make-up et tout. Et j'ai pas mis de crème ce matin et je sens que mon visage tiraille un peu. Mais bon, ça c'est pas grave. Écoutez, au programme aujourd'hui, le programme est déjà bien avancé puisqu'il est déjà 16 h 30. Chérie est en train de nettoyer un petit peu de trucs dans la cour. Il fait super beau, ça fait beaucoup de bien. Moi je vais changer les plaids du canapé, ranger un petit peu ce qui traîne dans la maison et tout. Je crois qu'il y a 16 degrés là. Ouais, il y a 16 degrés, c'est pas mal. Comme on est passé au point relais, j'ai récupéré un colis de chez Courbe en Valeur. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo que j'attendais encore un colis. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Allez, je me retourne et je vous montre. J'ai choisi cette robe qui est trop trop belle. Elle l'avait en plusieurs couleurs. Alors, je sais pas si vous allez voir, en fait, c'est des têtes de buffle et des cactus avec des roses. Elle est magnifique. Au niveau des manches, ça se resserre. Enfin, soit vous les laissez pendantes, soit vous les remontez un petit peu comme ça. Petit décolleté V, super sympa. C'est la marque Made in Italy, c'est du Made in Italy. Elle est d'une beauté cette robe. Je vais la mettre au lavage parce que là je viens de les recevoir. Mais elle est vraiment trop belle et elle tombe vraiment trop bien. Donc je suis trop contente. Ensuite je lui avais pris ce petit pull comme ça, col V. Il est d'une douceur. C'est la marque Miss Steffi. C'est du Made in Italy également. C'est avec Amore écrit comme ça. Vous avez en séquin ou en normal. Manche 3 quarts. Il est un peu long, il est tout doux, tout agréable, donc ça c'est trop cool aussi. Vous les verrez porter dans mes vlogs de toute façon. Et je lui avais pris aussi deux petits basiques comme ça. Alors ceux-là, ils sont un peu moins satinés que le vert que je vous ai montré dans la vidéo. Mais ils sont très sympas aussi. La différence de ceux-là, c'est qu'ils ont une dentelle comme ça. Vous voyez, c'est pas la même dentelle. Et ils ont une dentelle en bas. Donc voilà, comme ça, tout simple. Par contre ça, jusqu'au 48-50 max, hein, je dirais. Donc j'en ai pris un bleu roi et un blanc. Voilà, un peu pour ça. Et je lui ai repris une ceinture blanche. Voilà.
Voili, voilou pour tout ça. Je vais aller mettre et tout voilà, ça au lavage. Oui, perte de poids et tout, donc je refais ma garde-robe avec des choses que j'ai envie de porter. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur Vinted, je pense, dans les semaines à venir. Mais voilà, j'avais envie de renouveau, envie de nouvelles choses, envie de nouveau, tout simplement. Donc voilà, puis de toute façon, j'ai pas à me justifier sur les achats que je fais. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi, je vais faire ce que j'avais à faire, donc ranger un petit peu tout ça. Mettre ça à laver et puis voilà hein. Sinon ce soir au programme j'ai prévu, on a vu avec chérie tout à l'heure, on va faire un peu du poulet, des aiguillettes de poulet avec bah, je sais pas comment je vais les faire, on verra bien selon mon humeur de soir comment je vais les faire. Je les ai mis à décongeler, voilà, sûrement avec des pâtes et puis on verra bien. Allez, je vous laisse et je vous fais des bisous. Coucou. Bon, en faisant mon poulet au chorizo de ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Hein, qu'est-ce qui t'arrive? Rien? Bon bah alors, on se tait. Je voulais revenir avec vous sur certaines choses. Je viens de répondre à certains commentaires sous ma vidéo où je trie mes palettes. Comment vous dire que je suis libre de faire ce que je veux de ma vie, premièrement. Deuxièmement, que vous n'avez pas à juger les personnes qui désirent acheter de la seconde main en palette parce que c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Que vous ne le fassiez pas, ben, c'est votre problème. Que certaines le font, c'est leur problème. Il y a un moment, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ça ne vous regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et autre chose aussi que je voulais dire... C'est certaines qui osent dire que j'arrête pas de dire que je mets sur Vinted, mais en fait je mets jamais rien sur Vinted. Ben si, mais seulement ça part très très vite. Donc je suis désolée si vous êtes frustrée de n'arriver à rien avoir. Je n'y peux rien, ça part hyper vite et ce n'est pas de ma faute. Voilà, tout simplement. Comment vous expliquer les choses? En ce moment j'ai... Je pense que le fait de moins vloguer n'y est pas pour rien non plus. J'en ai un petit peu marre des gens qui se permettent de juger tout et rien. Des gens qui se permettent de, à la moindre incartade, au moindre truc qu'on peut faire ou dire, de revenir ramener leurs fraises. Parce que eux ont la science infuse, parce que eux font les choses bien, parce que eux font ci, parce que eux font ça, parce que on devrait pas acheter ci ou ça parce que c'est de la surconsommation, parce que on devrait pas faire comme ci, comme ça dans notre vie, parce que c'est pas comme ça qu'on vit sa vie, parce que on a mis un essuie-tout ou un papier dans la corbeille à papier, dans la poubelle à déchets verts, et que c'est pas comme ça qu'il faut que ce soit fait. Il y a un moment, il va falloir se détendre. Il y a un moment, il va falloir penser à votre nombril, à vous, et continuer à regarder votre propre nombril et arrêter d'essayer de voir ce qui se passe dans le nombril des autres. Parce que je peux vous assurer que ça devient très très lourd. Mais pas que pour moi, hein. Pas que pour moi, parce que j'ai même des abonnés qui viennent me dire « Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Il y en a ras-le-bol, on peut même plus commenter tranquillement, j'ai même plus envie de commenter parce qu'à chaque fois on est agressé et tout. » Mais occupez-vous de vos fesses, bordel! Ça, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut vous foutre que certaines personnes ont envie de faire ça comme ça, ou plutôt ça comme ça, ou plutôt... Hey, la vie elle est assez courte et assez chiante comme ça pour s'emmerder avec des trucs à la con, non? Donc j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie de voir du trimake-up, ben ne regardez pas la vidéo. Si vous n'avez pas envie de voir des vlogs nuls, comme certaines disent, ben ne les regardez pas. Si vous n'avez pas envie de me voir acheter des fringues ou des sacs à main, eh ben ne regardez pas mes vidéos. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. C'est un peu dommage de se faire mal pour rien. Moi, personnellement, quand il y a une vidéo que j'aime pas, je ne la regarde pas, tout simplement. Voilà. Il y a un moment où je pense qu'il faut savoir dire stop, même si on dit qu'il faut répondre aux haters par le silence. Mais il n'y a pas que des haters, hein. Il y a des gens qui ont répondu sous la vidéo, il y a des pseudos que je reconnais, donc des pseudos qui me suivent. Qu'est-ce que ça peut vous faire que certaines achètent des palettes de seconde main?
si elles n'ont pas les moyens d'acheter au prix global, quand on voit le prix des palettes maintenant, sérieusement, il y a un moment, il faut arrêter. C'est hyper cher et je conçois très bien que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter au prix fort. Et je suis désolée, mais certaines qui ont dit que les prix des palettes auxquelles je les mettais, elles étaient chères, je les vends à moins 50, voire moins 70% pour certaines. Donc, je suis désolée, mais peut-être que pour vous, c'est cher pour une palette, mais c'est pas cher par rapport au prix de la palette à la base. C'est comme la dernière fois, on m'a dit « Ah, c'est pas normal que tu revendes tes livres sur Vinted, tu devrais les donner, tu es youtubeuse. » Mais de où ? De où ? Parce qu'on est youtubeuse, on doit tout donner à ses abonnés. Il y a un moment, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter tout ça, il faut arrêter de croire que parce qu'on est youtubeuse, on a l'argent facile, il faut arrêter de croire parce qu'on est youtubeuse, on va tout donner ou tout faire comme ça. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je suis désolée, je lis beaucoup pour pouvoir me lire beaucoup. Ben, ce qui me permet de lire beaucoup aussi, c'est de revendre les livres que j'achète. Quand je vends un livre de poche que j'achète 7 euros, je le revends 2 à 3 euros. Je suis désolée, je pense que c'est un livre qui a été lu une, voire deux fois, soit par moi, soit par ma maman. Je pense pas que j'exploite les gens. Donc il y a un moment, il va falloir arrêter de tout prendre mal, de tout penser que tout est mal et de se détendre la nouille, parce que là sincèrement je commence à en avoir ras la casquette et oui j'en ai marre, ouais je le dis ouvertement, j'en ai marre, je suis quelqu'un qui est assez zen d'habitude, mais là il y a un moment faut arrêter le délire quoi. Arrêtez de penser que vous avez le droit à tout, arrêtez de penser que parce que, tiens j'ai mon échalote à éplucher aussi. Arrêtez de penser que parce qu'on est youtubeur, eh ben, il faut qu'on vous donne tout ou tout ça. Vous n'êtes pas tous comme ça, hein. Je préfère vous le signaler quand même, parce que c'est pas la grande majorité. Mais quand ça ne touche que moi, je vais dire je m'en tape. Ça me passe au-dessus et voilà. Quoiqu'à un moment, il y a des moments c'est plus difficile que d'autres. Mais quand ça commence à toucher mes abonnés et qu'on se permet de venir... dire à certaines de mes abonnées des choses qui ne sont pas normales, là je suis pas d'accord. Et oui, je supprime des commentaires. Oui, je le dis. Je le dis haut et fort, je supprime certains commentaires qui ne me plaisent pas. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème avec ça aussi ? On fait ce qu'on veut, on est chez soi. Et encore, tenez, dites-vous que je suis encore gentille, parce que certaines youtubeuses, vous ne voyez même pas leurs commentaires. Tous ces commentaires-là, vous ne les voyez même pas, parce que beaucoup de youtubeuses mettent tous les commentaires en approbation. C'est-à-dire que c'est elles qui lisent les commentaires et qui valident les commentaires qu'elles veulent voir apparaître sur leur chaîne. Vous voyez certains commentaires qui ne sont pas d'accord avec moi, vous les voyez apparaître, et là vous dites « Ah ouais, mais elle l'a annulé. » Ben ouais, mais vous le voyez. Parce que moi je laisse tout et que j'annule après si vraiment je trouve que c'est déplacé ou tout ça. Mais certaines youtubeuses ne font pas ça, elles valident tous les commentaires manuellement, vous les voyez même pas. Donc n'allez pas dire ouais mais un tel elle supprime rien, ben tu t'en sais rien puisqu'au final t'as pas vu les commentaires qui se sont mis à la base. Donc réfléchissez un peu à tout ça aussi. Mais j'ai envie de vous dire, si quelqu'un vient sonner à votre porte et vous dit tu devrais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que ta vie elle est comme ça, ça doit être comme ça, machin, tout ça, tu vas finir par lui dire hey, coco, tu rentres chez toi, hein. Là je suis chez moi, je fais ce que je veux. Eh ben moi c'est pareil. Donc voilà, je sais que pour certaines, cette vidéo, ce morceau de vidéo va peut-être être mal interprété et que certaines, ben, vous n'avez rien à voir dans ce que je viens de dire parce que vous n'êtes pas du tout, mais alors du tout comme ça. Mais là sincèrement, j'avais envie de vider mon sac avec vous et peut-être que ça repartira mieux. Et que la semaine prochaine, j'arriverai plus à vloguer et à vous dire les choses et tout ça. Mais il y a un moment où je me dis, ah ben non, ça je peux pas leur en parler parce que si je leur en parle, ça va partir en cacahuète. Et c'est là où je me dis, c'est pas normal. Là où je me dis, c'est pas normal parce que je commence à ne plus avoir mon libre arbitre. Et je commence à ne plus dire ce que j'ai envie de dire. Et ça me dérange un petit peu, vous voyez ? Et je suis pas comme ça d'habitude, mais en ce moment, il y a tellement de haters, tellement de gens qui se permettent de dire des choses, de penser des choses, de le dire tout haut. Je suis désolée, moi, quand je regarde une vidéo qui me plaît pas et qu'il y a des trucs qui me plaisent pas, je passe mon chemin. Je vais pas aller dire à la personne, ah oui, mais si, ah oui, mais là, ah oui, mais machin, ah oui, mais merde, quoi. Ça te plaît pas, passe ton chemin, va voir ailleurs. Je vois pas pourquoi... l'intérêt des gens à déblatérer sur le dos des autres. Voilà, ça je comprendrai jamais, c'est pas quelque chose que j'aime faire, c'est pas quelque chose que je fais dans ma vie et c'est pas quelque chose qui pour moi est normal, tout simplement. Je pense que ce style de personne doit bien s'ennuyer dans leur vie pour avoir que ça à faire en fait. Voilà, tout simplement. Bon, sur ce, je vais sortir le Cookéo parce que oui, je me sers encore de mon Cookéo, vous êtes certaines à me l'avoir demandé. Là ce soir je fais le poulet au chorizo et pommes de terre, mais ce sera pas des pommes de terre, ce sera des frites. Mais du coup
Cookéo en place. Viens là toi. Chorizo, je vous balle un peu dans l'autre sens et on fait ça ensemble. Alors, on va mettre un petit peu d'huile dans le fond, huile d'olive, c'est parti mon kiki. Manuel, cuisson classique, mode doré, c'est parti. Donc il faut émincer le poulet, mais moi c'est des aiguillettes de poulet que j'ai fait, comment on appelle ça, décongelé. Ensuite de l'oignon, donc j'ai de l'oignon au congélateur. Je vous l'ai déjà dit, j'utilise beaucoup de l'oignon rouge. Oui, on est passé à autre chose, hein. Bah, je suis passé à autre chose. J'utilise beaucoup d'oignon rouge congelé, donc je vais mettre de l'oignon rouge congelé. Hop, mais je vais mettre aussi un petit peu d'ail et un petit peu d'échalote. J'aime bien le mélange de tout ça, ça donne du goût et j'aime bien. Donc voilà. Alors, les dés de chorizo, ils sont là, c'est fait. Pommes de terre, je vous ai dit non. Donc dans la cuve, on fait revenir le poulet, le chorizo, l'oignon. Donc j'ai déjà mis ça parce que il y en a un qui est congelé. Donc je préfère le faire revenir un petit peu avant. On va attendre que ça fasse. Voilà. Après, vous mettez le poulet, le chorizo. Vous laissez dorer 3 minutes. On ajoute les pommes de terre, le fond de volaille dilué. Donc, je vais faire mon fond de volaille tout de suite. J'utilise cela en ce moment. Comme ça, 20 centilitres d'eau. Alors, il n'est pas tard, hein. Il est 18h. Mais je voulais aller me laver et mon mari m'a dit, bah non, je vais faire les poubelles au Karcher. Donc, du coup, bah, j'attends qu'il ait fini pour aller me laver. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire ma recette. Comme ça, après, ça restera au chaud dans le cookéo et je serai tranquille. Donc là, j'ai fait mon fond de volaille. La crème, oui, c'est vrai, il faut de la crème semi-épaisse. Ça tombe très bien. Je disais, j'en avais ouvert une hier. Donc c'est cool. Donc là, ce qu'on va faire, bon là ça fait un peu. Hop, on va ajouter les aiguillettes de poulet. Hop. Les dés de chorizo. On fait revenir ça un petit moment. 3-4 minutes. Ça a le temps, vous savez, d'exalter un petit peu les goûts. Après, vous mettez le fond de volaille et puis la crème. Et vous laissez cuire 13 minutes en mode sous pression. Donc voilà. Et à la fin, on va ajouter un petit peu de fécule de maïs. Pour, vous savez, lier la sauce, voilà, un petit peu. Et on va faire ça avec des frites congelées. Voilà, pour la recette de ce soir. C'est tiré de ce livre-là, pour celles que ça intéresse. J'essaierai de penser à vous le remettre en barre d'infos. Alors oui, je me sers plus quotidiennement de mon cookéo, tout simplement parce que j'utilise HelloFresh maintenant et que c'est vrai que j'utilise plus cookéo au quotidien. Mais le week-end, quand je n'ai pas de recette HelloFresh, ou même le lundi, souvent j'ai pas de recette HelloFresh. Quand j'ai pas de recette HelloFresh, je l'utilise. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit que la crème a déjà pris un petit peu la couleur du chorizo. Donc on va laisser ça sous pression pendant 13 minutes. Voilà. Bon ben je range tout. Et puis, puis je vais aller voir ce que vous chérie en est. Puis après je vais aller à la douche tranquillement. Voilà. Bon voilà, Chouchou a fini ce qu'il avait à faire avec le Karcher. Donc je vais filer. Ah, la douche du samedi soir. Je veux une culotte, les gars.
Hop, on va prendre celle-là. Allez, petite douche du samedi soir, tranquillou bilou. Puis après, on fera un petit apéro tranquille. D'ailleurs, je voulais vous parler, j'ai acheté un nouveau gel douche. Dans mon supermarché, quand je suis allée faire les courses, c'est celui-ci. Il est trop bien. Je l'adore, ils sont trop bons et il hydrate super bien la peau. Donc ça, c'est cool. Allez à la douche.